Un rhyome, une curieuse image derrière moi, et j'ai choisi cette image parce que, à elle seule, elle vient vous apporter, Louis, réponse à la question que vous m'avez adressée par email. Alors que je regarde en même temps, hein, j'ai imprimé votre mail, je regarde votre question. Je vais la résumer succinctement. Donc, vous me parlez d'une personne sur YouTube qui guide apparemment des personnes dans sa voix à elle. Et cette personne parle d'elle-même à la troisième personne. C'est-à-dire, vous me dites, lorsqu'elle, par exemple, pour dire je suis heureuse, cette personne va dire elle est heureuse en parlant d'elle-même. Et donc, vous me témoignez que ça vous a fait une impression, une drôle d'impression, je reprends vos mots. Et vous aimeriez savoir, eh bien, ce que j'en pense. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous partager sur ce sujet. Alors, j'ai choisi comme titre, moi et le Père-Mère, nous sommes un. C'est une parole tirée d'un évangile. Alors, j'ai adapté en rajoutant le terme de mère. Les gnostiques ont témoigné que dans ces textes gnostiques, Jésus parlait de Dieu le Père, pas comme de Dieu le Père exclusivement, mais Dieu le Père-Mère. Bon, la mère a disparu avec les siècles, mais je replace le contexte de Père-Mère. Alors bien sûr, vous pouvez remplacer Père-Mère par Dieu, la vie, l'énergie, la conscience. Donc le sujet du jour, je vais l'élargir, je vais répondre à votre question, Louis. Mais je vais l'élargir en revenant sur un point important de la notion de désidentification en vous partageant eh bien, à travers cette transmission du jour ce que j'expérimente. À très vite. Alors parler de soi à la troisième personne, cela revient, comme ce personnage derrière moi, hein, à agiter devant nous notre personnage, notre jeu, l'ego, notre petite marionnette, la marionnette que nous sommes, ce rôle que nous jouons. Et il y aurait une partie de nous qui dirait, elle est heureuse, elle a faim. Elle est allée se promener en parlant d'elle-même. C'est comme derrière moi, je vais vous remontrer totalement cette image sans que je sois devant. Donc vous avez un personnage qui semble avoir enlevé son masque, le masque de son visage. C'est un homme avec une barbe. Mais en ayant enlevé le masque de ce visage, on aperçoit encore un masque. Alors un masque blanc. Blanc, pur, spirituel. Mais qui cache encore un visage. On voit bien derrière, il y a la barbe qui dépasse du masque blanc, il y a des cheveux. Donc cela revient à ce que vous m'exprimez. En tout cas, je trouve que c'est une belle image, une belle représentation pour un personnage, un être qui dirait, elle a faim, elle est heureuse, elle vous parle d'eux, elle se promène en parlant d'elle-même. Or, il y a un masque, hein, c'est représenté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le masque de l'être spirituel qui pense, croit que en parlant d'elle à la troisième personne, et lorsque je dis pense, croit, parle, je mets pas de jugement dedans, c'est ce qu'il se passe. C'est un rêve, c'est le rêve d'un cheminant qui imagine, qui projette ou qui a imaginé à un moment donné que l'éveil, ce serait lui parlant de lui-même, l'être parlant de lui-même, et celui, le personnage, la marionnette, le jeu, l'ego, qui n'est pas lui, désidentifié, sorti de lui, scindé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi comme titre Moi et mon père, mère, nous sommes un. Pour rappeler que la destination ultime, qui est déjà là, c'est pas d'être scindé,
L'être séparé déjà, qui se vit déjà dans l'illusion d'être séparé, dans l'illusion d'exister indépendamment de ce qui est, qui pense contrôler sa vie, qui pense que c'est lui qui organise et qui gère et qui est en chemin et qui va réaliser quelque chose et entre autres l'éveil pour les personnes dites dans la vie spirituelle, cet être est scindé, il est coupé. Dans l'enseignement de vie, c'est le premier nombre, c'est le 1. Le 1 marque l'individualité, l'individualisme, le 1. Le 1 séparé de l'infini, de l'infini des possibles, qui se vit comme étant séparé, qui a saisi la vie qui s'exprime. Et qui y met des objectifs, des intentions, des croyances, des pensées, un monde de pensées qu'il va expérimenter, qu'il va appeler sa réalité. Cet être déjà séparé du grand tout, dans ce que vous me partagez, Louis, se scinde encore plus en aspirant, j'imagine, cette personne, en aspirant à l'union, en fait, se scinde. Se scinde par un personnage qu'elle pense contrôler en étant capable de dire il, elle, elle est heureuse, elle parle, elle est allée se promener, elle a peur, elle est dans la joie, elle est amoureuse, elle est mère de famille, elle est femme. Vous me suivez? Comme si ce qui va dire elle serait l'être éveillé, serait le divin, serait le père-mère, puisqu'il n'y a que cela qui dirait elle. Comme si Dieu, du coup, était encore séparé de sa création. Vous me suivez? Ça n'existe pas, cela. Ça n'existe pas, si ce n'est dans le fantasme, dans le rêve des individus qui ont imaginé comme cette personne, que être un être éveillé, c'est parler de soi à la troisième personne, que c'est une preuve d'éveil, de vie spirituelle. Et je ne connais pas cette personne hein, dont vous me parlez, vous ne la nommez pas, donc je ne sais pas qui c'est. Simplement, que ce soit cette personne ou toute autre personne, cela n'existe pas. Il n'y a personne pour parler de soi à la troisième personne. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ce qu'on va appeler l'éveil, l'illumination, quel que soit le mot que vous utilisiez. Cet instant où le père et mère et moi sommes un, le moi disparaît. C'est la réalisation que le je n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu personne ici. Tant qu'il y a un je qui existe, qui est en cheminement, qui croit que en parlant comme ça, par exemple la troisième personne, mais ça peut être autre chose, que en pratiquant certaines techniques, que entre autres aussi la méditation. J'ai eu des questions sur la méditation. Qu'il va y avoir éveil, que je vais y arriver. C'est une histoire que le je raconte à la flamme intérieure qui n'est pas dupe. La flamme intérieure, c'est le divin, c'est ce qui est, qui se manifeste à travers vous, à travers ce corps, à travers ce mental. Mais il n'y a personne pour dire ce mental, ce corps. À un moment donné, il n'y a pas de scission entre ce qui se vit et ce qui est. La scission n'existe que dans l'être scindé, séparé, coupé de ce qui est.
Tant qu'il y a une partie pour regarder, être un observateur, il n'y a toujours pas l'union. Tant qu'il y a un observateur, tant qu'il y a quelque chose à observer, il n'y a toujours pas d'union. Tant qu'il y a une partie de vous qui est en mesure de dire elle fait ci, elle fait ça, que ce soit l'autre ou vous-même, il n'y a toujours pas ce qu'on va appeler l'éveil. Uniquement ce qui est qui se manifeste. C'est extrêmement simple en fait. C'est extrêmement simple. C'est d'une simplicité extrême. Et le je, l'ego, a peur de cela parce que tout d'un coup, il va être mis en évidence comme étant une fumée, une illusion, n'ayant jamais eu d'existence réelle. C'est un rôle. Hier, je rangeais des livres et je suis tombée sur le livre Les Caprices de Marianne que j'avais fait travailler à une personne. C'est un rôle, Marianne. Elle est où, Marianne? Lorsque c'est réalisé, il n'y a personne pour parler de Marianne parce que Marianne n'a jamais existé. Il n'y a personne pour dire elle fait ça, elle mange, parce qu'elle n'a jamais existé. Vous me suivez? Lorsque, en yoga, je connais assez bien le yoga, nous pratiquons en tarmona. Alors, en tarmona, si on traduit, c'est le silence intérieur. Et ce silence intérieur, il débute par prendre conscience de tout le brouhaha intérieur, de toutes les pensées qui surgissent, de toutes les perceptions, de toutes les émotions qui vont se manifester alors que vous êtes les yeux fermés au départ, en essayant de ne pas bouger, et vous prenez conscience, oh, j'ai mal dans le genou. Oh mince, j'ai oublié d'éteindre le gaz. Ah, je devais téléphoner à. Oh, c'est joli, là, je vois des fleurs qui apparaissent. Et hop, c'est passé. Il y a tout ça. Mais tout ça circule. Et les pratiques d'Antarmona visent à se détacher, se désidentifier. C'est-à-dire être capable de voir les masques, de voir les pensées, les émotions, des trains de pensées, des trains d'émotions, des trains de sensations qui défilent. Et de laisser la question surgir, qui suis-je? C'est pas une question mentale qui s'adresse à votre mental. Mais tant qu'il y a un observateur pour observer les pensées, pour observer, pour voir, on n'est pas encore dans l'union de moi et mon père, mère, nous sommes un, je monte le texte au-dessus. La désidentification fait partie de ces techniques pratiques qui permettent de se rendre compte déjà au départ qu'on n'est pas que ce corps, qu'on n'est pas que ces pensées, que on arrive à être détaché des pensées puisqu'on peut les observer. On peut observer des pensées, on peut observer le corps. Puisque je l'observe, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces pensées, puisque je suis extérieur à cela. Et c'est cela que cette personne, en parlant d'elle à la troisième personne, essaie d'expérimenter. C'est une manifestation d'une tentative de désidentification. Sauf qu'il n'y a personne. C'est que le cheminant, c'est que l'ego, c'est que le je encore qui croit contrôler par une pratique, quelle qu'elle soit, y compris une pratique méditative. Qui y croit parce que, bah parce que il est incarné et qu'il vous faut bien faire quelque chose et que tant que vous basculez pas, et bien vous occupez
votre temps du mieux que vous le pouvez en fonction de vos affinités. Pour certains, ça va être jouer au golf, pour d'autres, faire du tricot, pour d'autres, se lancer dans des affaires, être banquier, pour d'autres, méditer, pour d'autres, pratiquer zazen, ou enseigner, faire des vidéos sur YouTube, ou parler de soi à la troisième personne. Et tout cela n'est qu'illusion. Ce ne sont que des jeux, que des rôles. Alors je reviendrai en répondant à une question qui m'a été posée par, je ne sais plus comment vous voulez que je vous appelle. Je reprends le texte en même temps, j'ai imprimé vos deux questions. Soleil levant. Alors bien évidemment, cette personne ne s'appelle pas Soleil levant, mais préfère que je la nomme ainsi plutôt que par son prénom. Donc oui, je répondrai à vos deux questions, Soleil levant, dans une autre vidéo, et entre autres sur l'éveil. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste en quoi l'éveil? Alors est-ce que c'est se désidentifier? La désidentification, c'est, on va dire, une marche pour se rendre compte qu'on n'est pas que ce corps, que ses pensées, que ses émotions. Mais il y a toujours quelqu'un qui observe. Et qu'est-ce qui observe? C'est toujours une part d'ego. C'est une part d'ego. Donc je vous invite à cette pratique d'investigation. De revenir à qu'est-ce qui sous-tend. Par exemple, si vous voulez, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez envie de vous amuser ou très sérieusement de pratiquer cette pratique de parler de vous à la troisième personne, pourquoi pas? Moi, j'ai trouvé ça surprenant, étonnant. Je vous invite à regarder qu'est-ce qui sous-tend ce désir. Ou le fait, si c'est installé chez vous, de parler de vous à la troisième personne. Qui parle de vous à la troisième personne? Quelle est cette partie de vous qui parle de vous à la troisième personne? Puisque l'union n'est pas réalisée, puisqu'il y a quelqu'un pour parler d'une autre partie de vous. Vous me suivez? Entrez, trouvez, voyez, vivez, traversez. Ce qui parle de vous à la troisième personne, traversez-le et voyez ce qui le sous-tend, ce qu'il y a derrière, toujours derrière. C'est le qui suis-je, derrière tous ces rôles, derrière toutes ces pensées, toutes ces croyances de ce que doit être un être spirituel, toutes ces volontés de faire des pratiques. Qu'est-ce qui sous-tend? Qu'est-ce qui sous-tend? Pourquoi êtes-vous persuadé qu'il vous faut méditer? Qu'est-ce qui sous-tend cette croyance? Qui médite? Est-ce que l'expérience que vous avez vécue, elle est encore là en l'instant, chaque instant? Alors du coup, vous allez faire quoi? Essayez de ramener en permanence que ça soit toujours là. Qui essaye de faire ça? Qui croit y arriver? Qu'est-ce que vous évitez en fait de vivre? En l'instant, en reportant à plus tard, en reportant à un certain état à atteindre, à une autre conscience à maintenir, à être encore autre que ce que vous êtes, à expérimenter encore autre chose que ce que vous expérimentez. Pourquoi tout cela? Pourquoi toute cette douleur que vous vous infligez? Tous ces manques que vous vous infligez à vous-même? Qui vous impose cela? Quelle partie de vous? Qu'est-ce qui sous-tend votre quête, votre non-satisfaction de ce qui est en l'instant. Hari Om Tat Sat.